bonjour Eric. Bonjour Aventi. Bonjour. Alors, j'aurais aimé que vous présentiez un petit peu et que vous présentiez votre agence. Mon agence, alors Télécontact. Télécontact aura 20 ans en 2018. Donc voilà, c'est une échéance importante. Télécontact est au service de la relation client. D'accord. Depuis donc en expertise depuis 20 ans. Initialement sur les métiers de l'investisseur, de la défiscalisation. Télécontact est une filiale de Téséis, qui est une plateforme dédiée aux gestionnaires, aux professionnels du patrimoine. Mmh. Voilà, et depuis nous avons grandi avec plusieurs métiers, nous adressons plusieurs problématiques. Et comme son nom ne l'indique pas, Télécontact est aussi et traite du omnicanal. Donc plus initialement, nous travaillons sur du télémarketing. Mmh. Et Télécontact a grandi avec les nouvelles technologies. Et maintenant, on s'oriente sur des propositions de services tournées sur l'omnicanalité. D'accord. Et comment en êtes-vous arrivé un petit peu au marketing automation avec Télécontact ? Une évidence pour nous, une évidence. Des fortes demandes clients, des changements de comportement. Mmh. On génère aujourd'hui encore plus de 60 000 mises en relation par mois. C'est relativement important. Mmh. Donc, il s'agissait en fait de rester en communication avec cet ensemble de personnes avec qui nous discutons, de les qualifier au mieux pour les servir plus précisément. Avoir un message qui soit concrètement dédié à leurs problématiques. Personnalisé. Message personnalisé. Et est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise avec laquelle vous travaillez qui utilise le marketing automation ? Oui, bien sûr. Je vais parler de Edelis. Edelis.com qui est un promoteur immobilier pour lequel en fait justement on agit sur la double compétence de télémarketing puisqu'on met à disposition des agents de télémarketing au sein d'un centre call chez le client et qui anime la relation client, le traitement des contacts également à partir des techniques de marketing automation. D'accord. Donc le couplage de l'activité digitale avec immédiatement la mise en relation avec un téléopérateur de manière à qualifier au mieux le prospect pour le diriger vers la bonne personne au bon moment et avec l'utilisation du bon canal. Parfait. Je vous remercie, Eric. Merci.